Décryptage du compte rendu de la cinquième réunion de Luanda entre la RDC et le Rwanda. On va parler également de la constitution. Beaucoup sont dans cette entreprise de changement de la constitution. Mais comment? Par quel mécanisme? Quelle est la procédure à travers laquelle on peut parvenir au changement de la constitution? Merci, mesdames et messieurs, de nous faire confiance. C'est votre émission Grande Tribune. Nous sommes le lundi 21 octobre 2024. Deux invités sur ce plateau. Mais avant de vous le présenter, je m'en vais lire quelques notes informatives collectées pour vous ce matin. Le député national Willy Michiki annonce que le groupe M23 a pris le contrôle de la localité de Kalembe, selon cet élu. Cette prise de contrôle est cruciale pour le M23 car elle lui permet d'atteindre les provinces de la Tchopo, Sud Kivu et Maniema et potentiellement d'étendre son influence à d'autres provinces. Il demande au FARDC de prêter main forte aux patriotes résistants pour les y déloger. 53 députés nationaux ont signé une motion de défiance contre le ministre national, ministre d'État, ministre du Budget Aimé Bougi, initiée par Willy Michiki. Celui-ci demande l'examen de cette motion en plénière, mais n'a pas mentionné les raisons de cette initiative. L'état d'esprit de la population reste marqué par les attentes de la population qui suit les déroulements de la session budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat au regard des différentes revendications sociales. Satisfaction quasi générale de la population suite à la qualification de l'équipe nationale à la CAN Maroc 2025. C'est donc le compte rendu du week-end dernier. Conseil des ministres. Constant Moutamba appelle au respect des procédures avant de procéder à l'interpellation des évêques, prêtres et d'autres religieux de l'Église catholique romaine en RDC. Il s'agit du respect des conventions signées aussi bien avec le Saint-Siège qu'avec la Conférence épiscopale nationale du Congo. Enfin, bonne nouvelle, le Sineco, syndicat national des enseignants du Congo, lève la grève des enseignants sur toute l'étendue du pays après concertation avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le samedi 19 octobre 2024. Déclaration faite par Cécile Chiombo, secrétaire général du Sineco. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance une nouvelle fois. Les sujets ont été annoncés. Je présente mes invités. Parole d'arrivée, Maître Richard Pinda. Ça fait quand même longtemps. Hein. Bonjour et re-bienvenue sur Congo Buzz. Merci de nous recevoir une fois de plus. Je salue ici mon co-débatteur. Congo Buzz, Grande Tribune, c'est chez nous. Oui. Et donc, lorsque nous sommes absents, c'est que nous sommes soit pris par des obligations professionnelles, et soit nous sommes pris par aussi par des obligations familiales. Et donc l'opinion retiendra que nous sommes, que nous avons toujours été disposés à venir échanger sur des questions républicaines. Et bien voilà pourquoi nous avons daigné répondre à ces jours. Merci bien, Maître Richard Pinda. Je rappelle qu'il est cadre de l'UDPS Tshisekedi. Il est également avocat. Alors, en face de lui, c'est M. Thierry Mukelekele. Il est journaliste, il est analyste des questions d'actualité. Bonjour et bienvenue également, monsieur Thierry Mukelekele. Bonjour Dan, bonjour à maître Pinda, bonjour à ceux-là qui suivent Congo Buzz. Et comme d'accoutumance, je fais toujours un coucou à mes amis de la prison militaire d'Endolo et au travers eux, tous les détenus. En prévention ou sans prévention, parce que cette histoire n'est fait que trop perdurer. Quoique le ministre Moutamba a essayé de mettre le pied sur l'accélérateur, nous nous souhaitons vraiment qu'il y ait un terrain d'entente entre lui, le ministre, et les magistrats, pour que les pensionnaires des prisons trouvent ou recouvre des libertés, surtout en ce qui concerne la détention. Hein, il y a des détentions arbitraires, là il faut appuyer le ministre, et il y a quand même une réglementation pour que ces gens-là recouvrent leur liberté. C'est là où nous voulons que le ministre et les magistrats puissent s'arranger, hein, afin de bien désengorger les prisons, qu'il n'y ait pas de couacs, parce qu'il est inadmissible
un humain comme ministre Moutamba trouve un détenu qui a 10 ans, mais qui n'a pas de prévention. Moi, j'en ai laissé. Trouve un pensionnaire qui était condamné par le colonel Alamba à l'époque de la cour d'ordre militaire, mais qui est encore en prison 24 ans après. Donc, ce genre de personne, comment est-ce que elle peut rester en prison? Ça dit que quelque part, le ministre Moutamba est dans une raison, mais la loi lui donne certaines contraintes limites, oui, pour que, dans les limites de son pouvoir, exact, qu'il n'y ait pas débordement. C'est pourquoi le procureur près la cour de cassation, sur qui moi je m'appuie, c'est à lui d'aider le ministre. Parce que si lui, il envoie des missions d'inspection, il va découvrir beaucoup des cas comme le ministre le fait. Et lui, en tant que patron direct de l'organe poursuivant en République démocratique du Congo, il peut instruire et couvrir les demandes du ministre. Parce que le ministre agit, c'est comme des demandes, mais il agit directement sur, comme on l'a dit, sur le banc. Quand il est là, il agit. Hein, il y a quand même des couacs, mais nous devons y aller. Nous voulons que la tension s'arrête. Entre les deux institutions. C'est parce que c'est deux institutions. Oui. D'accord. Merci bien, M. Thierry. Deux pouvoirs. Deux pouvoirs. Distincts. Ouais. Exécutif et... Excusez-moi. Je suis d'accord avec vous à 100% sur le principe. Il faudrait... En fait, parce que lorsqu'on parle de la détention, ce n'est pas l'apanage du ministre. C'est déjà les attributions qui sont dévolues au pouvoir judiciaire. Ouais. Et pour trouver l'issue à cette inconfortabilité légale dans laquelle se retrouvent certains détenus, il faille à ce que le ministre de la Justice, qui a relevé, puisse échanger avec le pouvoir judiciaire ou transmettre sa demande au pouvoir judiciaire pour que ce dernier puisse éventuellement décanter cette situation. Et y aller unilatéralement, serré, violer même le principe de la séparation de pouvoir et aussi violer certains principes qui régissent chacun. Il ne faut pas oublier une chose, que le ministre de la Justice, il est en droit d'accorder la liberté conditionnelle. Ça, c'est dans ses prérogatives. Ouais. Mais la détention préventive, allais-je dire, relève du pouvoir judiciaire et exclusivement... je dirais du pouvoir judiciaire parce que lorsque il y a un non-lieu, c'est le juge qui devra se prononcer. Tout à fait. La liberté conditionnelle suppose que d'abord le détenu doit être condamné. Et non, il n'est même pas encore détenu. Il est détenu, il n'est pas encore prévenu. Il n'est pas encore prévenu, c'est-à-dire il est condamné, le ministre vient le libérer conditionnellement. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est lui qui est en détention préventive. C'est celui qui est en placé... Instance. Non, pas en instance. Il attend l'instance judiciaire. Parce que lorsqu'on quitte la détention, lorsqu'on vous prend auprès de l'OPJ, la garde à vue, de la garde à vue, vous allez au parquet, c'est la détention préventive. De la détention préventive, vous allez au tribunal, c'est que vous êtes devenu prévenu. Alors la détention préventive, c'est l'étape avant que vous soyez soumis à votre juge. Et généralement, l'irrégularité ou les irrégularités qu'on constate, c'est qu'on va jusqu'à 10 ans. 10 ans. C'est pas normal. 5 ans. Même 5 ans, c'est pas du tout normal. Parce qu'on ne peut pas instruire un fait banal pour 5 ans, pas du tout. Soit on est incompétent, soit on ne sait pas quoi faire, soit on est fainéant. Vous voyez ça? Et donc... Dans ces cas précis, je suis d'accord avec votre façon de voir les choses, la lumière que vous apportez. J'aime l'élégance avec laquelle vous présentez la chose. C'est-à-dire que le ministre doit se mettre avec les magistrats pour éventuellement relever. Ici, le ministre ne sera pas corrompu. Non. Parce qu'il va relever pour dire, mais comment cette situation ici existe? Est-ce que vous pouvez nous donner une explication? S'il n'y a pas d'explication, il leur demande de libérer carrément. Merci bien, Maître Richard Pina, Monsieur Thierry Mukele-Kele. On commence par le compte-rendu de la 5e réunion de Luanda, tenue le 12 octobre 2020. 24. On a suivi Madame la Première Ministre Judith Suminwa-Tuluka annoncer devant les caméras que le Rwanda avait accepté de présenter un plan de retrait de 4000 militaires rwandais, rwandais de la République démocratique du Congo. Voilà, on va essayer de voir cela à travers la lumière de ce compte rendu de Luanda, surtout que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda est venu démentir cette information que le Rwanda n'a jamais accepté de présenter un plan de retrait des troupes rwandaises sous le sol
congolais. Je crois que vous avez tous les deux les comptes rendus de cette cinquième réunion. Vous avez eu à parcourir, peut-être pour nos téléspectateurs, qu'ils soient aussi au parfum, prennent un peu le temps de leur présenter rapidement les points saillants. Voilà. Je ne présente pas tout, hein, quelques éléments seulement. Au cours de la réunion, les ministres ont analysé les derniers développements depuis la dernière session ministérielle du 14 septembre 2024. Dans ce contexte, ils ont considéré ce qui suit. Cessez le feu, le point A. Les ministres ont réitéré l'appel aux parties en conflit à l'est de la RDC sur la nécessité de respecter le cessez-le-feu du 4 août 2024. B. Plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Barre. Levée des mesures défensives du Rwanda. En parenthèse, plan harmonisé. On va poursuivre. La délégation de la République du Rwanda a réitéré son soutien au plan harmonisé. Conformément au rapport du 29 au 30 août, les experts des renseignements et présentés pendant la réunion ministérielle du 14 septembre 2024, la délégation de la République démocratique du Congo a présenté une proposition sur le plan harmonisé, ayant réitéré sa position concernant la simultanéité et la concomitance de sa mise en œuvre. Face à ce qui précède, les ministres ont validé les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé et ont décidé de charger la facilitation de préparer avant le 26 octobre 2024 un projet de concept des opérations, en parenthèse CONOPS, basé sur les attributions des parties en tenant compte des préoccupations des uns et des autres. Convoquer une réunion d'experts le 30 octobre 2024 à Luanda pour examiner les CONOPS préparés par la facilitation. C. Les ministres ont décidé que la RDC et le Rwanda soumettent à la facilitation jusqu'au 15 octobre 2024 les noms de leurs officiers de liaison respectifs qui doivent intégrer le mécanisme de vérification ad hoc renforcé en parenthèse MVA trait d'union R. Les frais relatifs seront pris en charge par leurs pays respectifs. Ils ont également décidé de procéder au lancement officiel du MVA trait d'union R à Goma, RDC au plus tard le 5 novembre 2024. Voilà, il reste des points. Les ministres sont convenus de la tenue d'une prochaine réunion ministérielle à une date à déterminer afin d'examiner le rapport des experts sous le CONOPS. Enfin, les ministres se sont également accordés à continuer à travailler sur les questions sécuritaires en suspens ayant trait au projet d'accord de paix proposé par le facilitateur, fait à Londres le 12 octobre 2024. Alors, je commence avec M. Thierry Mkilikile. Je donnerai la parole à Maître Mpinda par la suite. Comment vous comprenez ça? Vous avez lu le compte rendu. Est-ce que d'une part, le Rwanda par rapport aux engagements du Rwanda, qu'est-ce que vous comprenez par les engagements du Rwanda? Bon, le texte reste toujours vague. Hein? Depuis que moi je connais ces trucs de Rwanda, les textes sont toujours vagues. Et généralement, ceux-là qui vont négocier, il y a ce qui s'est dit autour de la table et ce qui s'écrit. Et quand vous voyez dans votre intro, vous parlez de la réaction du premier ministre de la RDC, Madame Judith, qui parlait déjà de 4000 militaires rwandais qui devraient être retirés par le Rwanda. Et le Rwanda réagit en contradiction. Bon, il y a ce qu'on appelle en politique les discours et les déclarations. Est-ce Madame a tenu juste un discours dans lequel il a glissé cette information ou c'était une simple déclaration sur laquelle le Rwanda a rebondi? Mais quand nous entrons dans le texte, je ne vois pas où est-ce que cette incise est ressortie. Du côté Rwanda, ils doivent faire partir 4000. Je ne vois pas ça dans le compte rendu. Je ne sais pas, même vous en lisant, je ne sais pas si vous l'avez retrouvé. Bon, comme vous l'avez dit. Je doute. Ouais. Alors, moi, mon souci aujourd'hui, c'est quoi? J'ai quand même une expertise en matière sécuritaire par rapport à la grande province du Katanga sur le dossier de Gédéon. J'ai quand même une expertise. Moi, je pense que le président de la République, à un moment, devait faire machine arrière par rapport à tout ça.
Dans ce pays, on a eu des gens que le maréchal Mobutu a laissés en tant qu'expert dans des questions sécuritaires et des renseignements. Ces gens, il y en a encore ceux-là qui sont en vie. Quand Mouzé est arrivé, il en a récupéré, il a travaillé avec, Joseph Kabila a travaillé avec. Mais depuis un certain moment, ce genre de noms, on ne les entend pas. Quand vous voyez du côté du Rwanda, ce sont les gens qui sont routiniers dans ces questions sécuritaires. Alors, ce jeu de ping-pong auquel le Rwanda de fois se livre, peut-être que le Rwanda comprend que mes interlocuteurs ne sont pas ceux-là qui me connaissent bien et sur quoi il peut surfer. Vous avez des noms tels que l'État, hein, vous avez des noms tels que Kabwe, vous avez des noms tels que Joe Mulongo Masango. Ce sont des gens qui ont travaillé dans la sécurité, les Maloba, qu'on peut repérer, que le chef de l'État peut localiser. Ce sont des gens qui maîtrisent la sécurité. Point n'est besoin qu'ils soient nommés. C'est pourquoi on appelle experts. Ça dit que le président peut d'abord avoir un cabinet de ces gens-là. Hein? Les généraux à la retraite tels que les généraux François Olenga. Rappeler les généraux Denis Kaloumé, des gens qui ont traité ces questions, hein, quand c'était encore trop chaud avec le RCD. Donc si le chef de l'État a d'abord toute l'histoire là et l'historique... C'est-à-dire que ceux qui représentent la RDC ne sont pas assez outillés. Pas tellement outillés. Ils peuvent s'outiller, mais le problème, c'est l'interlocuteur. Vous voyez James Kabarebe face à un Kalev Mutonde, face à un Leta, face à un Joe Mulongo Masango. Mais ceux-là qui sont accusés, entre guillemets, d'avoir vendu le Congo, entre guillemets. S'il vous plaît. James Kabarebe est accusé aussi au niveau international, même en Belgique. Il faut comprendre sa pensée. Ouais. C'est à titre illustratif qu'il cite ce nom. Ouais, il y a des noms dits, des noms qui ne sont pas cités. On peut recourir à cette expertise-là pour en faire bénéficier à la République. À la République. Donc, moi, mon souci, c'est quoi? Je ne fais pas de la médisance sur ceux-là qui vont faire le travail. Non. Moi, je veux que le président, pour qu'il n'y ait pas un genre tantôt plus tôt, qu'il fasse recours à ces gens-là qui ont travaillé sur la sécurité face aux interlocuteurs actuels de la RDC. Comme je l'ai dit, pas nécessairement les engager, mais qu'il ait au moins une idée générale. De comment eux, ils auraient voulu résoudre. Ils auraient voulu, pendant ce temps, et quelles sont les erreurs à leur époque, et comment est-ce qu'on ne peut pas tomber dans leurs erreurs à cette époque-là, pour que nous puissions avancer. D'accord. Parce que je chute en disant ceci. Le Rwanda, substantiellement, en parlant comme ça, dans les couloirs, je peux dire un mot sur l'UDPS à Pinda et sur le plateau. Ce mot, je ne peux pas répéter ça. Tout à fait, ça va de soi. Vous comprenez? Parce que si je répète, lui va rebondir, il va renier. Mais dans les coulisses, nous nous sommes dit ça. Exactement. Et il m'a dit, non, mon frère, sur ça, tu as raison, tu vois, nous, à l'UDPS. Mais je viens sur le plateau, je balance, il dit non. Je suis pas d'accord avec ça. C'est ça, la politique. C'est pourquoi je parle de discours et de déclarations. Ça veut dire que, quelque part... Il y a des non-dits et des dits. Alors, quand on a des experts, des gens qui ne feront jamais de telle sorte que vous voyez que le président de la République aurait envoyé des gens rencontrer des Rwandais. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, quelque part, la communication a posé un peu problème. Hein. Cette information-là n'aurait pas dû sortir. Voilà, en quelque sorte. C'est pourquoi je parle d'expertise. Il y a des voyages du chef de l'État qui doivent passer inaperçus. Et il y a des voyageurs au compte du chef de l'État qui doivent passer aussi inaperçus. Qui doivent passer inaperçus. Ce sont des commerçants, ce sont des gens qui sont allés en tourisme, mais ils sont allés traiter des questions d'État. Et quand le président veut prendre une position, tout le monde se dit, mais est-ce que le président ne comprend pas que ça peut nous apporter des sérieux problèmes? Ça veut dire mais, que... Et pourtant, il sait de quoi il... Que vous dites que vous avez une certaine expertise en matière de sécurité, tout ce qui s'entend, tout ce qui est convention,
où accord ne se fait pas forcément par écrit. Voilà, en politique, on dit ceci. On appelle ça d'ailleurs ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit à Maître Mpinda, c'est dont on a parlé avec Maître Mpinda, je ne l'ai pas dit. Ça dit, quand il vient, il rebondit, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai jamais dit ça. Merci je n'ai jamais dit ça. Merci bien. Ça risque de ne pas me mettre en difficulté. Non. Parce quand que... on reviendra au négociation. Non. Ce que l'on dit sous coulisses, c'est peut-être qu'il y a des préalables qui doivent être, comment dire, exécutés de notre part que nous n'avions pas fait. Et que cela n'étant pas arrivé, je ne peux pas accepter sur la place publique. Sur la place publique, voilà. Pourquoi je chute par là, l'Ukraine et la Russie s'échangent des prisonniers. Pendant qu'ils font la guerre aussi. Pendant qu'ils font la guerre. Ce sont des bribes d'informations qui sortent, mais jamais le gouvernement ukrainien n'est passé à la télévision ou russe pour dire que nous avons. Et ils se jettent même... Nous avons été payés parce que les pipelines de la Russie passent par... Ils se jettent même des chiffres. L'autre a dit c'est 900, l'autre a dit non, nous vous avons tué 2000. Mais ils se sont échangés... Échangés des prisonniers. Mais l'opinion retient quoi? L'opinion retiendra que... L'opinion retient quoi? L'opinion retiendra qu'elle est manipulée pour préserver soit la paix, la tranquillité sociale et tout ce qui va avec. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la table. On ne peut pas tout mettre sur la table. Tout est question, donc, de l'information qui est passée à travers les médias et les journalistes est confondue. Reste confus. Non. Moi, je suis d'accord avec lui sur un fait, sur son point d'achèvement. Ce qu'il dit est correct. Je suis encore d'accord avec lui lorsqu'il dit que le président de la République doit recourir à une certaine expertise. Des gens qui ont œuvré dans le service, qui peuvent mettre certaines connaissances à sa disposition. Mais à ces niveaux-là, si vous le dites si bien qu'ils peuvent ne pas être nommés, aujourd'hui on ne saura pas le dire. Parce que si aujourd'hui les experts, en fait le représentant de la République, sont en négociation et que nous arrivons à obtenir tant soit peu ce que nous pouvons obtenir, je suppose que le président de la République, d'ailleurs je me rappelle que le général, je crois que Baramot ou qui que ce soit d'autre, ils ont une équipe aux côtés du président de la République qui l'accompagne à ce qu'ils font. Donc je pense qu'à ce niveau-là, votre inquiétude est légitime et que les choses ont évolué d'une certaine manière. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est lorsque, je comprends, vous avez même émis un bémol à un moment donné, parce que l'objet de cette rencontre a deux volets. Premièrement, on parle de... On parle du plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement de forces levées de mesures défensives du Rwanda. Ici, le principe, c'est que il faut que le Rwanda quitte la République démocratique du Congo. Étant donné que le Rwanda, l'Angola et la République démocratique du Congo ont signé cet engagement, ce qui veut dire que l'accord de principe est déjà acquis. C'est-à-dire que le désengagement, c'est un acquis. Mais on a, à ce stade. Ils disent des forces. Le problème ici... Quelle force? Non. Le problème ici, les détails, c'est comme il l'a dit, c'est qu'on s'est dit au couloir, il ne faut pas nécessairement le répéter. Donc ici, au-delà du communiqué, il y a eu un ajout. C'est-à-dire le nombre de militaires qui doivent être désengagés du sol de la République démocratique du Congo. C'est là où il y a le débat. Le Rwanda dit non, nous n'avons jamais prétendu 4000. La République démocratique du Congo dit 4000. C'est à ce niveau-là qu'on pourrait... Et le Rwanda dit qu'il n'a jamais pris la moindre résolution sur la présentation du plan de retrait des troupes rwandaises. Au niveau des noms. Non. Ça serait irresponsable de la part du Rwanda parce que le Rwanda a signé. Il est dit ceci, au cours de la réunion, les ministres ont analysé les derniers développements depuis les dernières sessions ministérielles du 14 septembre 2024. Dans ce contexte, ils ont considéré ce qui suit. Ils ont considéré ce qui suit, c'est-à-dire qu'ils ont émis leur accord sur ce qui suit. Le point A, c'est les cessez-le-feu. Le plan B, c'est le plan pour la neutralisation des FDLR et les désengagements forcés, plutôt des forces, lever des mesures défensives du Rwanda. Parce que ici, la présence des militaires rwandaises, c'est en guise du principe de la défense préventive. Vous voyez ça? Ce sont des mesures qu'ils ont pour eux. Ils viennent pour prévenir un éventuel... Débordement ou génocide sous le sol congolais. Non,
parce que le prétexte du Rwanda, c'est les FDLR qui ont trouvé refuge en République démocratique du Congo, qui pourraient éventuellement aller perpétrer ou faire perpétrer les génocides qu'ils ont connus, entre guillemets, en 1994. Et donc, au regard de cela, le Rwanda est dans cette logique-là, ce qui justifie sa présence en République démocratique du Congo. Et donc, si nous allons dans cette logique-là, vous conviendrez avec moi que ici, le Rwanda a marqué de son accord. Parce que la conclusion dit ce qui suit, les ministres se sont également accordés à continuer à travailler sur les questions sécuritaires en suspens ayant trait au projet d'accord de paix. Les ministres se sont convenus de la tenue, et ça ce sont les tralala habituels, hein, les formules pour éventuellement chuter. Donc, ici l'opinion devra retenir une chose, que le premier ministre a agi. J'ai dit bien le premier ministre quand je vois que tu ouvres. Je ne dis pas la première ministre, parce que la Constitution ne parle pas de la première ministre. Parce que je vois comment il ouvre les yeux. Il dit, mais c'est lui-là, qu'est-ce qu'il raconte encore. Même le bon français. Le bon français, il en est ainsi. Bon, j'ai rien dit. On ne féminise pas la fonction quand même. Non. J'ai rien dit. La fonction est au masculin, il faut se le dire. La fonction du premier ministre. Voilà pourquoi j'ai dit, le premier ministre, Madame Souminoua, n'a fait que, comment dire, moi je dirais, se réjouir des efforts qu'elle a fournis, ce qu'elle a obtenu tout le long de son mandat. En fait, au cours de son mandat. C'est-à-dire qu'il y a eu des avancées pour elle, pour Madame Souminoua, c'est ce qui a été dit. Et d'ailleurs, le Rwanda, on sait quel genre de personnes en face de nous nous avons. Par moment, il faut faire ce que Madame a fait pour l'envoyer. Plutôt les envoyer aussitôt signés. Madame signer. A donné une vraie information. Madame a donné une vraie information. Rassurez-vous, il a dit une chose. Il l'a dit de manière... Mais est-ce que c'est mentionné dans le communiqué? Nous sommes en... Non, non. C'est pas mentionné. Comment dire, le communiqué relève que le désengagement est un acquis. C'est-à-dire que les forces... Exactement. Désengagement des forces. Mais quelles forces exactement? Mais il s'agit de l'armée des FARDC du Rwanda. Même les services de renseignement militaires qui accompagnent le Rwanda. Même les services de renseignement civils qui sont arrivés après l'accord de 2009. Tout ça, vous voyez. Donc c'est l'ensemble de tous ces éléments-là. Excusez-moi, mais j'ai pas vu ou dit des forces du Rwanda. C'est dit des forces, point. Non, non. On a dit ceci. Forces de défense du Rwanda. Et puis, levée défensive... Voilà, lever les mesures défensives du Rwanda. Il est dit ceci. Au point, on dit... Au point B. Au point B. Il est dit ceci. Mm. Plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR. Oui. Et le désengagement des forces. Lever des mesures défensives du Rwanda. Plan harmonisé. On parle du Rwanda. Bien sûr. Ce sont des forces du Rwanda. Oui, ce sont les forces militaires du Rwanda. Et quand on dit les forces ici, ce n'est pas spécifié militaire parce qu'on y voit, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit soit des services de renseignement militaire rwandais, services de renseignement civil, ainsi que tout ce qui est force du Rwanda. Et par là, c'est tout un tout. Et ici, c'est le compte rendu. Dans un compte rendu, on n'y met pas les détails. On n'y met pas les détails. Et ici, il faut se le dire que les minutes même de cette réunion-là, les secrétariats de technique qui a été à côté de ces ministres-là pour coucher, ils ont les détails. Et Madame le ministre l'a dit en fonction du principe qui a été obtenu et en fonction des informations, j'ai dit bien, des vraies informations qu'elle détient. Merci bien, Maître Richard Pinda. On va suivre de plus c'est près. C'est Mpinda. Pinda. Voilà. Avec M. Avec M, merci. Voilà. Voilà, on va continuer. On va suivre de plus près la sixième réunion des trois gouvernements pour savoir un peu plus sur cette Excusez-moi, question. Et aussi un élément important. Allez-y. Cette contradiction n'est ni infirmée, ni confirmée par... les facilitateurs. Oui. Et les facilitateurs est resté dans la logique de l'accord.
Il n'a rien dit, il n'a pas communiqué. Et du communiqué. C'est pourquoi je parle des discours et des déclarations. Extra communiqué. Ouais. Voilà. Merci bien. Et Madame Soumino n'a pas commis d'erreur. Madame Soumino n'a pas commis d'erreur, mais elle a été contredite. Non, la contradiction n'est pas le dire. Ministre nous sommes, rwandais, nous sommes partie prenante nous au dialogue. Nous sommes en politique. D'accord. C'était peut-être pas le moment pour elle de tenir ces discours-là. D'accord. Mais du moins, elle a dit, elle n'est fait que dire vrai. D'accord. Merci bien, Maître Richard Pinda, Monsieur Thierry Mukielekele. Je pense que l'avenir nous le dira davantage. Hein. Le départ des forces rwandaises, c'est le souhait de tous les Congolais. Nous espérons vraiment qu'ils vont partir et laisser le pays libre. Merci bien, mesdames et messieurs. On va prendre rapidement la deuxième thématique. Ça porte sur le changement ou la... Parlons du changement de la Constitution. Oui, mais quelle procédure pour justement parvenir à ce changement de Constitution. On suit au Gabon. Ils sont en train de changer leur Constitution. Bientôt, ça sera un référendum. Chez eux, là-bas, il y a eu un coup d'État. Monsieur Thierry Mukielekele, nous sommes dans une situation normale. Il n'y a pas coup d'État. Les institutions sont légitimes, sont légales, mais les mêmes institutions veulent changer la Constitution. Quelle est la procédure? Bon, jusque-là, il n'y a aucune institution qui veut changer la Constitution. Aucune. Il n'y a aucune institution. Oui. Politique. Et il y a des citoyens qui se sont vus être intéressés par un sujet de débat sur lequel qui a commencé par la révision de la Constitution, et d'autres finalement ont commencé à parler du changement de la Constitution. Alors, tout citoyen a le devoir et le droit constitutionnel d'émettre sa pensée, son opinion sur des matières relevant de la vie nationale. Notamment, la Constitution, c'est une matière qui relève de la vie nationale. Mais tout Congolais n'est pas constitutionnaliste. Et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Vous êtes constitutionnaliste? J'ai toujours dit que moi, je suis autodidacte en droit constitutionnel. Je ne suis pas constitutionnaliste. Et donc? Et constitutionnaliste, c'est celui qui a présenté la thèse du droit. La thèse de doctorat. C'est ça. Il présente sa thèse sur le droit constitutionnel. Et il en devient docteur. Parce qu'un constitutionnaliste doit être un docteur en droit constitutionnel. Un juriste est celui-là qui a appris le droit et qui est praticien du droit. Nos facultés de 5 ans ne forment pas des constitutionnalistes. Non, je n'ai... 5 ans à l'université, on ne peut pas prétendre être constitutionnaliste. Un constitutionnaliste, c'est comme un urologue. C'est comme un, comment on les appelle, un gynécologue, c'est comme un pédiatre, donc il est médecin et il a défendu la pédiatrie comme spécialisation. Il devient docteur en pédiatrie ou docteur pédiatre. Mais un médecin, c'est un généraliste. Et un docteur peut être généraliste, mais tout généraliste n'est pas docteur. Mais en licence, prenons l'ancien système, ouais, des études académiques, en licence, il y a une certaine spécialisation qui se fait. Certains font le droit public, d'autres droit privé, d'autres font le Ça ne fait pas de vous un constitutionnaliste. Environnementaliste, ainsi de suite. Vous êtes un environnementaliste. Mais quand vous défendez la thèse sur la question du droit constitutionnel, Vous défendez la Constitution, la cause de la Constitution. C'est différent de nous autres juristes et nous parlons de la Constitution. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je suis autodidacte du droit constitutionnel. Un autodidacte, c'est celui-là qui... Vous n'avez jamais été à la faculté de droit? Non. Vous n'avez jamais été à la faculté de droit?
Non, moi j'ai fait le droit public et privé, mais je n'ai pas présenté la thèse sur la Constitution, tel le professeur Beauchab, tel le professeur Joly. Oui. Eux, ils ont défendu... Donc vous n'êtes pas en qualité de vous exprimer en tant que avec toute la précision nécessaire, parce que ce n'est pas votre discipline. Non, en tant que constitutionnaliste, non. En tant que juriste, oui, je surfe sur la Constitution. Oui, mais... Il faudrait, parce que j'ai vu beaucoup de constitutionnalistes dans les réseaux sociaux, non. C'est pas possible. Il y a beaucoup de constitutionnalistes et ils disent « Maître Foulani, constitutionnaliste ». Non. Il faut respecter ceux-là qui ont pour spécialité la Constitution. Et même les professeurs qui ont pour spécialité la Constitution n'ont pas la qualité d'interprète. Ceux-là qui ont la qualité d'interprète, c'est la Cour constitutionnelle. Il n'y a que la Cour constitutionnelle qui interprète la Constitution. Et les autres sont en droit d'émettre une position. D'émettre, c'est ce que j'ai dit. Opinion, pensée. Même et tout ce tout. Dont on appelle maître constitutionnaliste. C'est, en fait, bon, allez-y. Si j'emprunte son terme, maître des conférences constitutionnelles. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et bon, peut-être tu vas expliciter. Et dans ces conférences sur les constitutions, vous appelez des constitutionnalistes qui viennent pour éclairer selon l'entendement. Alors, où est-ce que vous voulez en venir exactement? Je voudrais d'abord qu'on limite les dégâts dans les réseaux sociaux. Nous qui épiloguons sur la Constitution. Nous tous, nous ne sommes pas constitutionnalistes. C'est ça. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur ces principes. D'accord. On est d'accord. Quand vous aurez à inviter des constitutionnalistes tels que les Njoli, les Beauchab, oui. Nous pourrions venir, peut-être on va plus apprendre sur le constitutionnalisme et nous pouvons évoluer. Mais en ce qui concerne la matière du changement... Ça reste une science humaine. Allez-y. De la Constitution, nous disons que notre Constitution n'a pas prévu ce mécanisme-là. Là, vous le dites en tant qu'autodidacte. Autodidacte. Constitutionnaliste. Non. Mais si un constitutionnaliste disait le contraire, vous allez l'accepter? Non, parce qu'il doit me démontrer dans la Constitution d'où est-ce qu'il tire ça. Si vous le démontrez, vous l'accepterez? Oui. S'il me démontre que tel article dit que nous pouvons changer la Constitution. Parce qu'il n'y a même pas de nuance. Le changement des plusieurs articles de la Constitution qui nous amène à des amendements ne donne pas lieu au changement de la Constitution. La Constitution, c'est le texte dans son ensemble. Et c'est ça la base qui fait que le Congo existe à ce jour avec un président démocratique. Vous comprenez? Joseph Kabila est devenu président démocratique, c'est aux premières élections. Et il quitte le pouvoir, c'est un autre président démocratique qui arrive. Et qui continue jusqu'à ce jour. Et cette constitution protège le président élu démocratiquement. Peu importe que nous avons réfuté les élections et tout, dès lors que la Cour constitutionnelle s'est proclamée, et elle s'est déclarée et proclamée élue avec 73%, toute affaire cessante, tout Congolais jusqu'aux pêcheurs, nous arrêtons de discuter sur les élections passées. Très bien, merci bien. Je chute en disant ceci. Le débat autour du changement est mal placé pour ce moment et inopportun. Ça, c'est un avis d'expert ou un avis, cet avis d'un autodidacte constitutionnaliste. D'un autodidacte en droit. Mal placé. Qui est mal placé? Faites ce débat. Oui, le débat est mal placé. En ce moment, la Constitution vit une certaine immuabilité, selon elle-même. Elle est dans un système d'auto-verrou. Et ce système, aucune institution
n'a le, la dérogation de le déverrouiller. Très bien. Je vais repasser tantôt la parole. Je donne la parole à votre... on va appeler votre... Vous n'avez pas, débatteur, de, pas de débatteur. En fait, vous, pas ne voulez débatteur. Pas, vous ne voulez pas me coller l'étiquette de, d'expert. De non, non, non. Je, parce qu'on y est. Non, vous êtes non, libre. Pas Dan. Non, non. Dan, hein, non, mais je disais Dan. Ah. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Maître Mpinda, oui. Vous êtes juriste, vous êtes avocat. J'aime bien dire praticien de droit. Praticien du droit. Très ouais. bien. Quelle est votre spécialité? Pour okay. l'opinion qui vous suit. Je voudrais, avant d'y arriver, je voudrais répondre sur deux, trois points, surtout sur la qualité de celui qui va. Il a relevé un élément important ici. Lorsque vous entrez à l'université, prenons mon cas par exemple, l'université de Kinshasa, lorsque vous y sortez, vous sortez avec une spécialité. Lorsque vous êtes publiciste, prenons mon cas par exemple, je suis publiciste internationaliste et ma thèse... Mon travail de fin d'études a porté sur la, la responsabilité pénale des dirigeants en droit international. Les juristes que je suis, praticien de droit que je suis devenu aujourd'hui, je deviens expert sur une matière donnée parce que l'avocat est réputé être un chercheur. Ouais. Et donc, toutes les positions que prend un avocat par écrit, ce sont des positions doctrinaires. Et vous conviendrez avec moi lorsque... chercheurs que nous sommes, nous nous attardons sur une question et lorsque nous publions, parce que la différence d'avec un professeur, c'est que le professeur, lui, il suit une formation pour devenir professeur, mais il fait le même exercice que moi, c'est-à-dire qu'il publie. Et d'ailleurs, nous, praticiens de droit, nous avons pour habitude d'écrire tout le temps lorsque nous sommes dans nos notes de plaidoirie. Ce sont des notes de plaidoirie qui peuvent éventuellement, si elle a été suffisamment motivée, peuvent être dont on peut s'en servir comme matériel didactique pour éventuellement démontrer à suffisance. Donc, je dirais tout simplement que c'est lui qui a émis une position, c'est-à-dire juriste de son état, sur une question donnée, et que cette position doctrinale fait foi, eh ben, il est aussi expert dans cette matière-là. Je comprends lorsqu'on a dit à l'issue tel maître constitutionnaliste. À l'issue de 5 ans, parce que lui parlait d'une thèse, oh, la thèse va au-delà. Je n'exclus pas cette hypothèse. Je suis d'accord avec lui. Mais j'ai fait un rajout en reculant pour dire tout simplement que celui qui est aussi, qui écrit, j'ai même relevé le fait d'un avocat parce qu'il a dit maître tel constitutionnaliste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit avoir publié plus d'une fois sur cette question-là. Qu'à cela ne tienne, j'en viens maintenant à la question de... Il a dit nulle part. Je vais démontrer que l'article 5 de la Constitution, d'ailleurs, il est juriste comme moi, il sait que ce qui n'est pas interdit est permis. Et ici, nous avons l'article 5 qui consacre le principe de la souveraineté. Lorsque la souveraineté qui revient à la population. Et ici, la Constitution prévoit sur une question donnée. Ça me revient encore lorsqu'il dit aucune institution n'a évoqué cette question de changement ou de modification de la Constitution. Moi, je reviens pour lui dire, la dernière sortie du président de la République en Belgique, il a évoqué cette question. Pourquoi il voudrait soit modifier la Constitution ou il changer cette Constitution? Il parlait de révision. Changement. Il a parlé, excusez-moi s'il vous plaît. Le président de la République a commencé par parler de la révision de la Constitution et il a cheminé jusqu'au changement. Suivez-les attentivement. Il a commencé à parler de la révision et il a acheminé avec le changement de la Constitution. Suivez donc, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Et donc, le président de la République, c'est une institution là. Il n'a pas dit, maintenant, allons-y, dit, pourquoi je voudrais. Il a émis le vœu, l'institution président de la République a émis le vœu de pouvoir modifier, réviser la Constitution et éventuellement, pourquoi pas l'échanger. Je revenais sur une question, une matière ici. Le changement. Non, avant qu'on en arrive. J'ai parlé de la population. Et donc, je disais que le mécanisme du référendum est prévu. Mais on n'a pas spécifié les matières qui peuvent faire l'objet d'un référendum. Vous voyez? Et donc, l'initiative aussi d'une loi, la Constitution est une loi, revient à des personnes aussi spécifiques. Lorsque vous lisez la Constitution, vous allez vous rendre compte que, et d'ailleurs, 100 000 personnes congolais peuvent prendre l'initiative et mettre le vœu de
comment dire, après avoir obtenu la pétition de 100 000 personnes, accéder au changement. Au changement de la Constitution. À la révision. Non, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit une des quelconques lois, ce qui n'est pas... On n'a pas... Nulle part dans la Constitution, on parle de changement de Constitution. Je suis parti du principe de l'article 5 de la souveraineté, où j'ai dit que la population congolaise peut prendre, au nom de la souveraineté dont elle détient, ici exprimée par 100 000 personnes, signer un document, une pétition, allais-je dire, éventuellement obtenir, comment dire, la possibilité d'accéder au changement de constitution et au finish. Dan a toujours à ces regards-là. En fait, on prend l'initiative. Je parle de l'initiative, parce que l'initiative, ce n'est pas 100 000 Congolais qui vont aller changer la constitution, non. Ils prennent l'initiative, ils signent, ils donnent leur accord pour que pareille chose arrive. L'initiative arrivera au Parlement. Vous voyez ça? Et tout individu d'ailleurs, député puisse-t-il être, peut prendre l'initiative de changer de constitution, le soumettre au débat au Parlement, et par de suite l'acheminer à la sanction du souverain primaire. Référendum. Au référendum. D'accord, mais l'article 5, évitez de nous interpréter. L'article 5, ici j'ai voulu démontrer que la souveraineté revient à la population. La décision finale ou définitive par rapport à une démarche donnée doit retourner à la population, parce que c'est à la population de dire au finish, je ne suis pas d'accord avec cette loi-là, je ne suis pas d'accord avec la révision de la Constitution, je ne suis pas d'accord avec la violation de la Constitution, au nom de la souveraineté. Et un élément important, parce qu'on semble ne pas le dire. Ici, cette Constitution a un problème sérieux. Je vous prends l'article 70, hein, où le président de la République est élu pour un mandat, et ainsi de suite, tout ça. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté de dire quel est réellement le mandat du président de la République ? Parce que la Constitution dit 5 ans, le président Kabila a fait 7 ans, l'interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle parle d'aucun délai. Ce qui voudrait dire qu'en face de nous, nous avons 5 ans, 7 ans et indéfini. Il faut se le dire, parce que le 2 ans supplémentaire qu'a obtenu le président Kabila, c'était en fonction de l'accord politique. Mais à la cité de l'OUA. L'interprétation de la Cour constitutionnelle a été faite en 2015, soit 2 ans ou une année avant la... Et mais c'est la Cour à partir de 2016, parce que les élections devaient être organisées en 2016. Malheureusement, ou heureusement pour les autres, ces élections ont été organisées en 2018. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle peut être interprétée la Cour, les dispositions la Cour, de la Constitution? Non, non. La Cour constitutionnelle n'a pas interprété une disposition verrouillée. La Cour constitutionnelle est dans ses prérogatives d'interpréter les lois de la République et d'interpréter la Constitution. Mais en réalité, c'est un prétexte politique qui a été obtenu. Et ce prétexte politique qui a été obtenu nous met en difficulté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, je veux chiter, je vois que le temps presse déjà, parce que nous avons trois durées. Nous avons l'indéfini, nous avons les 7 ans de Kabila et nous avons les 5 ans qui étaient repris dans la Constitution. Aujourd'hui, prenons par exemple, Tshisekedi dit, ben, écoute, moi je respecte les 5 ans. C'est lui qui viendra demain après-demain, on ne va pas lui opposer le refus de Tshisekedi. Il est libre en droit de pouvoir s'étendre comme bon lui semble. Pourquoi? Parce qu'il a un soubassement légal. Il a l'interprétation de la Cour constitutionnelle qui fait loi. Il a, au-delà de cette interprétation, il a les mandats de Kabila, qui est une jurisprudence qui a été obtenue dans les conditions qui sont connues. Et aussi les politiques. Le politique, j'ai dit bien, peut aussi créer d'autres situations pour éventuellement s'y accrocher. Et donc ici, les articles prétendument déverrouillés, entre autres 70, ont été mis en mal et il faille à ce que nous puissions avoir une autre constitution pour régler ces problèmes-là. Merci bien. Parce que, excusez-moi, ce sont temps de parole déjà, parce qu'il faut se le dire, soit on accepte de toucher cette disposition qui est déjà verrouillée, qui a été déjà déverrouillée, ok? Par? Mais par l'interprétation de la Cour constitutionnelle, par les 7 ans. Tout à fait! L'interprétation a été une force légale
qui a été obtenu par la Cour constitutionnelle. A violé la Constitution. La Cour constitutionnelle a violé la Constitution par son interprétation. La Constitution ne pourra pas me contredire. Parce que la Constitution sur cette question-là a été claire. La Constitution a été vraiment, vraiment claire sur cette question. Merci bien, Maître Richard Pinda. Je crois que bientôt je vais vous libérer. Parce que vous devez partir d'ici quelques minutes. Monsieur Thierry Mukele-Kele, voilà. Il a évoqué. Je peux vous laisser avec monsieur Mukele-Kele. Non, pas du tout. Attendez, on est à la fin. Il a évoqué l'article 5 de la Constitution qui parle de la souveraineté du peuple, si je ne m'abuse. La souveraineté du peuple. Ben, Maître Pinda. Or, la souveraineté, c'est un pouvoir. Au-dessus de vous, il n'y a aucun autre pouvoir. Si je attendez, pas. Attendez. C'est-à-dire, le peuple a le pouvoir d'aller même toucher à Maître Pinda n'est resté que dans la révision constitutionnelle. J'en viens. Nous parlons français. Allons-y. Il n'est resté que dans la révision constitutionnelle en utilisant le terme changement. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est la révision constitutionnelle. Le président de la République ne peut pas, de sa bouche, parler de du changement de la Constitution. Il l'a fait, il l'a fait. Non, j'ai dit ceci. Le président de la République, selon la Constitution, il ne peut pas amener au référendum le changement de la Constitution. C'est interdit. Dispositions légales. Ce sont les matières qui ne sont pas... Aucune matière. D'ailleurs, il a bien rappelé sur la question de 2 ans supplémentaires de Joseph Kabila. Oui. Ce sont 2 ans politiques. Qui violent la Constitution. Mais oui, ça a été un arrangement politique qui n'avait rien à voir. Et ça quittait le cadre institutionnel pour aller vers la CINCO. Et après... On a coulé ça en forme de loi pour revenir dans la loi. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est pourquoi j'ai dit que... Et ces changements, c'est la même chose. C'est la révision des quelques articles. Violer... Non, attendez. C'est la révision. Cette interprétation, cette interprétation de la Cour viole la Constitution. La Cour n'a pas interprété la Constitution. La Cour a interprété une disposition de la Constitution. L'alinéa 2, d'ailleurs. Hein, comment dire ? Pour essayer de réguler la tension politique qui existait entre la majorité et l'opposition autrefois. C'était pas une violation ? Mais je l'ai dit, c'était une violation. C'est pourquoi on est parti du cadre institutionnel vers le cadre non institutionnel qui était la CINCO. Permettez-moi de renchérir. Et puis on est revenu. C'est-à-dire, pour l'UDPS... L'UDPS ne saura pas rentrer dans cette logique de la violation de la Constitution en tentant de changer. Si, l'UDPS parle de l'article 5 de la Constitution qui donne au peuple la souveraineté. Mais oui, qui convoque le peuple? C'est le président. Tout à fait. Maintenant, l'article 218 dit au président quoi? Pour la révision constitutionnelle, il y a vous le président, il y a le Parlement, il y a 100 000 Congolais pour la révision. On ne parle pas du changement de la Constitution. Le président ne saura que quitter le cadre institutionnel pour éviter un coup d'État par rapport à lui-même. Non. Alors qu'il ne peut pas le faire. Non, il y a ceci. Je vais renchérir, je vais apporter une lumière. Vous savez, il y a une chose. Si vous dites que le changement n'est pas prévu par la Constitution, et pourtant la révision y est prévue, c'est-à-dire que nous pouvons réviser, aller dans le sens... du changement. Réviser pour insérer. OK ? Ouais. Le changement, et y aller. Ça, c'est violer la Constitution. Non, ça ne serait pas violer la Constitution. Comment ? Et puis, je voudrais dire une chose, un élément aussi important que. Il a relevé aussi un autre élément important. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'article. Cet appel me dérange, mine de rien. De là où je dois être. Ça me dérange. Donc, j'étais en train de dire que l'article 220 de la Constitution qui verrouillait la durée du mandat du président de la République, la durée du mandat du président de la République est violée. Non, lorsqu'il est violé. En tant qu'institution, ce n'est pas violé. Pardon ? En tant qu'institution, le mandat du président reste inviolé. C'est arrivé aussi aux États-Unis, où il y a eu un président qui est mort pendant que l'autre était dans le couloir. Il est resté presque une année. C'est-à-dire, Attendez. Le président est mort, l'autre est resté une année. Il est venu compléter le mandat de celui qui était décédé. C'est lui qui devait céder.
le pouvoir, s'est vu proroger parce que l'autre connaissait un handicap. C'est l'autre qui... C'est l'élu. L'élu qui non, était vous savez, indisponible. Vous savez, il y a une chose. On a il, pas... il est juriste. Méthode de colistier. Non. Vous êtes juriste. Ouais. Vous savez, en matière d'interprétation, il y a une erreur que nous ne devons pas commettre. Nous, en tant que juristes, on le prend comme ça. C'est de faire l'analogie pour prendre une situation qui donnerait des similitudes à celle-ci et d'interpréter la nôtre par rapport à celle des Américains. Les dangers, c'est lequel ? Ouais. Parce que le contexte politique dans lequel ils ont évolué, vous évoquez par exemple la mort, ouais. Mais ici le président Tshisekedi dit, le président Kabila n'était pas mort. Ouais. Ça c'est un fait. Deuxièmement, nous partons du principe que la durée constitutionnelle qui avait été prévue pour le mandat d'un président de la République était clairement définie. Et vous et moi, nous le savions bien que l'interprétation a été même violée parce que l'interprétation supposait que vous ayez déjà des élections organisées et que à 30 jours ou 90 jours ou prenons le temps de la remise et reprise, on dit il reste en place jusqu'à la mais remise quelle, et reprise. Quelle aurait été l'interprétation correcte? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que lorsqu'on dit il reste en place, l'interprétation correcte aurait été non pas jusqu'à l'organisation des élections, mais plutôt jusqu'à la remise et reprise. Parce que lorsqu'on interprète un texte de droit ou une loi, il y a ce qu'on appelle la ratio legis, l'esprit du constituant. Lorsque même l'esprit du constituant n'arrive pas à vous éclairer sur cette question-là, vous vous rabattez même sur les travaux préparatoires qui ont milité. Et que pensaient les législateurs tant sur la lettre de la Constitution, de la linéa 2 de l'article 270, ok, que disaient les travaux préparatoires? Les travaux préparatoires avaient pensé que l'on devait procéder pendant la période de la remise et reprise, les présidents restaient en place. Mais quel en aurait été l'intérêt? Soit celui qui a été élu, il est abattu, l'autre reste encore en place, il organise les élections. Et non pas lui qui reste, qui organise les élections d'ailleurs, parce qu'il y a vacances. C'est lui qui devait organiser les élections, c'est le Sénat. Vous voyez ça? Il y a incapacité, il y a tout ce que vous voulez ainsi de suite. Alors, maître, prenons le cas, je suis, prenons le cas du, prenons le cas du président actuel. Je suis vraiment content de partir. Dan, prenons le cas du président Tshisekedi. Terminé et puis on va conclure. Oui. Prenons le cas du président Tshisekedi. Il est proclamé élu. Ça nous a pris combien de temps pour qu'il soit confirmé? Oui. Les mandats des 5 ans de Tshisekedi ont été respectés 5 ans. Au premier mandat. À son premier mandat, 5 ans. Et il a été réélu, il est à son deuxième mandat. Là où nous ne sommes pas d'accord avec ceux-là qui appellent au changement... Moi, par exemple. Ce n'est pas sur la terminologie, non. Une révision, c'est une révision. Un changement, c'est un changement. La Constitution ne prévoit pas de changement, même pour le cas du référendum. Le président qui a refusé le dialogue... Donc, un changement ne peut pas faire l'objet d'un référendum? Non, dans notre Constitution, non. Pourquoi pas? Quelles sont les matières qui sont prévues? Moi, je vous pose cette question. Je prends à sa place. En dehors de celles qui sont bloquées par l'article 200. Je veux poser... Toutes les matières peuvent être... Peuvent subir des matières modifications. Qui sont verrouillées. Ouais. Là, on parle de modifications. Je voudrais vous soumettre... Sauf celles qui sont verrouillées. Quelles sont les limites de l'exercice de la souveraineté par le peuple? Les limites de la souveraineté par le peuple, de l'exercice, parce qu'aujourd'hui, le peuple se retrouve dans l'immuabilité des fonctions. Le président, le parlement, les causes et tribunaux, et comment on appelle, ça vient de partir. Ça, le peuple en tient. Le peuple qui est le patron et le surveillant de tout ça, n'a pas mandat de cette initiative de changer la Constitution. Mais il a mandat de rappeler, de faire des révisions. C'est ça le problème. Le changement, c'est mettre un nouvel ordre politique. Le président ne peut pas mettre un nouvel ordre politique pendant que c'est l'ordre politique qui le maintient au pouvoir. Lorsque vous dites qu'il ne peut pas mettre un nouvel ordre politique, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais il peut prendre l'initiative d'un nouvel ordre politique. Non, il révise la Constitution. Non, il révise. On peut revenir.
Même la Constitution, même la Constitution ne prévoit pas, qu'une institution donnée puisse mettre en place un nouvel ordre politique. Mais plutôt l'initiative de mettre en place un la nouvel révision. Ordre. Écoutez, pas un nouvel ordre. C'est la rébellion. Je vous ai ramené. Oui. Je vous ai ramené dans la logique de un nouvel ordre du référendum, politique. Et de la logique de l'article 5 de la Constitution qui garantit le droit de l'exercice de la souveraineté à la population. Qui appelle au référendum? Vous et moi. Nous n'en avons pas le droit. Vous et moi, nous n'en avons pas le droit. Mais qui appelle au référendum ? La raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir quelles étaient les limites de l'exercice de la souveraineté par la population. Qui appelle le souverain ? Parce que le souverain, lorsqu'on dit souverain, voilà comment ça se passe. Dieu, peuple, constitution de la République. Oui. Vous voyez ça ? Et lorsque la constitution occupe la troisième place après... Le peuple est au-delà de tout le monde. 100 000 personnes écrivent changement de la Constitution. Merci bien. Je crois que nous aurons certainement l'occasion de reprendre cet échange. Je n'appelle pas ça débat, cet échange. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous suivez, à vous tous constitutionnalistes, que ce soit des réseaux sociaux Prochainement, on va se retrouver, on va encore échanger. Portez-vous bien.